Reprenons depuis le début. Bienvenue à la cérémonie des grosses caves du cinéma. Aujourd'hui, nous allons décerner les prix des plus grands films de tous les temps. Non pas basés sur la qualité ou l'influence de la vision d'un autre. La thune, l'oseille, la caillasse, la moula. Et nous n'allons pas nous référer ici aux ventes de DVD, produits dérivés, goodies, jouets, porte-clés. Sinon, je pense que Star Wars met une grosse branlée à tous les films du monde connu et des galaxies limitrophes. Non, ici, l'important pour nous, c'est de voir combien de thunasses les gens ont dépensé pour voir le film en salle. Autrement dit, le classement des meilleurs scores au box-office mondial de tous les temps. C'est parti! Alors, étant donné que à l'heure où je tourne, sort cette vidéo, Avengers Endgame est encore en exploitation, comme on dit, nous allons le retirer de ce classement. Mais bon, ça s'appelle Endgame. Donc, ils ont prévenu. Le premier du classement est... Avatar de James Cameron avec 2 787 965 087 $ au box-office. C'est fou de se dire que si j'étais pas allé voir le film moi-même, eh ben, les deux derniers chiffres seraient différents. Oui, bah faut s'émerveiller de ce qu'on peut dans la vie, c'est important. Voilà. En seconde position, nous avons Titanic de James Cameron avec un score de 2 187 400 000 beaucoup d'argent. Donc, James Cameron est tellement riche. I don't know about you, but I'm having a really great time. En troisième position, avec un peu plus de 2 milliards de dollars, Star Wars épisode 7, le réveil de la force. Oui, non, c'est pas le 7. Oui, il n'y a pas marqué épisode 7 sur la fiche. Et de toute façon, c'est pas la suite. Hein. C'est dans une autre réalité où Han Solo est redevenu un contrebandier voirien parce que les fans avaient envie de voir ça. Hein, et on a remis des Stormtroopers et des croiseurs interstellaires partout parce qu'après tout, pourquoi créer des nouveaux méchants? Vous avez bien fait, hein, le film est un carton. Bravo, continuez comme ça. Bordel! En quatrième position, ben c'est le précédent film des Vengeurs, La Guerre de l'Infinité, avec un peu plus de 2 milliards de dollars. En cinquième position, Jurassic World. Merci. On va s'arrêter là, je crois. Faisons comme ça. Puis après, le classement continue, on a les autres Avengers, on a les derniers Star Wars, les derniers Fast and Furious, mais... Vous remarquez rien? Y'a pas quelque chose qui vous turlupine? Eh, quand même, enfin, les derniers Star Wars, les derniers Marvel, les derniers Fast and Furious, quand même des films vachement récents, tout ça, non? Bizarre. Étrange. Je veux dire, si on prend les 30 premiers du classement, donc les 30 plus gros succès officiels du cinéma, ben y'en a 26, donc la quasi-totalité, qui sont sortis à moins de 10 ans, dis donc. Ça doit vouloir dire qu'on fait des meilleurs films? Non. Le classement officiel favorise les films récents, car ils ne corrigent pas l'inflation. L'inflation, c'est quand les prix augmentent, mais pas comme ça pour rien, parce que la monnaie perd de la valeur, donc il faut en donner plus quand on achète quelque chose pour compenser. Je vous explique ça plus simplement. Bonjour, je voudrais acheter ce sandwich. Voici 1 $. Oui, avec 1 $, on peut acheter des trucs. D'accord. Puis le temps passe et le dollar perd de sa valeur. Bonjour, je voudrais acheter ce sandwich. Voici 1 $. Oh, avec 1 $, on peut plus acheter grand-chose. Donne-moi 2. D'accord. Inflation. Oh mon Dieu, ce sandwich est un succès commercial 2 fois supérieur au précédent record battu. Non, non, c'est le même sandwich. Il a la même valeur, il a coûté autant à l'acheteur. C'est juste qu'un dollar de 2019 n'a pas la même valeur qu'un dollar de 1939, par exemple. Donc, comparer les recettes n'a aucun intérêt. Maintenant, la question qu'on est en droit de se poser, c'est quel est le bon classement? Il est le bon classement de fait péter. Allez, fait péter. Hey. Alors, il n'y a pas vraiment de classement fiable, officiel, pur et dur, parce qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, il y a le prix des places qui change, il y a les places en 3D, tout ça est très compliqué. Mais si on corrige l'inflation sur les chiffres officiels du box-office mondial, on s'approche déjà un peu plus de la vérité. Voici donc le classement ajusté, le plus grand succès de tous les temps et autant on emporte le vent, Gone with the Wind de Victor Fleming. On l'applaudit, mesdames et messieurs. Applaudis. D'ailleurs, pour l'anecdote, souvent les gens comprennent mal le titre en français « Autant on emporte le vent ». En fait, c'est une inversion de « Le vent en emporte autant ». C'est un proverbe qui veut dire « Voilà, c'est pas très solide, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance, le vent l'emporte ».
c'est cadeau. En deuxième position de ce classement, on a Star Wars, l'original de George Lucas en 77, La Mélodie du Bonheur de Robert Wise, E.T. l'extraterrestre de Steven Spielberg, Titanic de James Cameron, ah, lui c'était un vrai, Les 10 commandements de Cecil B. DeMille, Les Dents de la Mer de Steven Spielberg, Spielberg est là, Le Docteur Jivago de David Lean, L'Exorciste de William Friedkin, et enfin en dixième position, Blanche-Neige et les 7 nains de David Hand. Et dans ce classement, Jurassic Park est au-dessus de Jurassic World. Bref, pensez-y, hein, dans plusieurs années, quand vous verrez le film Avengers 12 à la plage fait du ski à Reloaded devenir le plus gros succès de tous les temps, en vous disant « non, c'est bizarre, parce que c'est pas terrible », au fond, vous saurez que autant on emporte le vent. Et voilà, je vous encourage à partager cette vidéo à tous les gens qui vont vous dire que Avengers est un des plus grands succès de tous les temps, parce que c'est pas vrai. Partagez-la aussi à tous ceux qui vous avaient dit que Jurassic World, ça va, en fait, au fond, non. Non. Et partagez-la aussi à tous ceux qui veulent découvrir l'Encyclo spectacle sur scène, puisque je serai le 15 juin au Casino de Paris, et j'y jouerai un sketch inédit dont vous avez choisi le thème. Je le révèle aujourd'hui, le résultat du vote est très clair. Le thème que vous avez choisi est la drogue et les animaux. Pas la drogue, puis les animaux, hein, les animaux qui se droguent. Voilà, donc je vais devoir écrire un sketch sur ce thème-là et le jouer en exclusivité au Casino de Paris. Bien, bah, il va falloir aller l'écrire, hein, ce sketch. Rendez-vous le 15 juin au Casino de Paris pour voir le résultat. Allez, cucuit.